Ça va ce matin, Maxence ? À l'accueil des loisirs des Turlupins, Nelly filtre les arrivées. Les enfants entrent, mais pas les parents. Je pense que c'est adapté. Enfin, déjà, à l'école, il allait au périscolaire, enfin, des coquelicots, et ça se passait bien. Enfin, on est rassurés, puis la reprise peut se faire aussi pour le travail. Quatre couleurs. Deux fois plus d'animateurs, obligés d'être masqués. Groupe étanche à la journée, voire à la semaine. Tout est mis en œuvre pour limiter les contacts et profiter des vacances. Sur une journée entière, les enfants sont avec leur équipe d'animateurs. Après, voilà, chaque groupe peut se retrouver à des moments forts, comme le repas ou comme dans la cour ou comme en extérieur, sauf que ces différents groupes ne doivent pas se mélanger. Les Turlupins sont ouverts en continu jusqu'au 21 août et peuvent accueillir jusqu'à 60 enfants. À l'espace jeunesse, on a investi les 7 arpents pour la 4e année. Ici, un groupe participe à un stage de MAO. La musique assistée par ordinateur. 6 animateurs pour 40 enfants au maximum. Le protocole est aussi strict, même si l'animateur n'est pas toujours obligé de porter le masque. S'il est à moins d'un mètre, le port de masque est obligatoire, ou la visière. Jeux de société, nouvelles technologies, modélisme, art plastique et jeux vidéo, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et quand on a fini sa partie, la souris, le clavier ou la manette sont désinfectés. Ils ont un message dessus, appeler un animateur pour faire la désinfection, pour pouvoir remettre dans le système en fait les choses. Et tout ça, c'est pour tout. Et chaque groupe est repérable grâce à un bracelet de couleurs pour ne pas se mélanger. Merci. Merci. À chaque fois qu'il rentre dans la salle de nouveau, il lave les mains au gel. Et puis nous aussi. En sortie, les enfants respectent le protocole sanitaire des lieux, comme ici, à l'ASCPA, centre de loisirs à Strasbourg. Et pour chaque déplacement, le masque est obligatoire dans le bus. Avec désinfection du minibus avant qu'il rentre dedans et à la fin, voilà. Stage de voile, sortie piscine, stage de graphe du 13 au 17 juillet. Le J propose un programme varié pour les jeunes de Souffel en non-stop juillet et août. Un programme estival en toute sécurité pour votre enfant.